PEGI 18. Salutations, rôdeurs. Allons voir le monument qu'Argon nous a parlé. Ce fameux Gortor. Salut les amis, c'est Shirokiyo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quête Le Monument des Ténèbres, le Gortor. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, détruisez le Gortor pour attirer les Capitaines Noirs. Tu as vu de quoi étaient capables ces monstres? C'est de la folie de rester ici. Oui, mais les circonstances ont changé. Tu ne vois pas qu'il est de notre côté maintenant? Pourquoi voudrait-il nous aider? Il y a des semaines, c'était notre ennemi. Stallion, tu es prêt pour la bataille? Je ferais bien d'apporter ces bandages aux autres. Les orques construisent un monument en l'honneur de Sauron. On a suffisamment de poudre pour le faire sauter. Bien. Il est grand temps d'en finir. Tu ne partiras pas sans moi. Je pensais que tu te contenterais de sauver ta femme. Moi aussi. Allez, partons avant que je change d'avis. Il faut pardonner à Erin. Son cœur est avec notre peuple. Les esclaves que tu nous as aidés à libérer m'ont indiqué le point faible du monument de Sauron. C'est là que nous frapperons. On va devoir voler un chariot de Grog aux Uruks. Ce sera une amorce parfaite pour la poudre explosive. Allons-y. Alors, je les ai entendus parler de moi. Yargon me fait totalement confiance, mais elle apparemment ne le fait pas. En même temps, c'est normal, hein. S'en prennent aux Uruks. La noirceur de la nature est indomptable. Pendant des semaines, apparemment. Tiens-toi prêt. Quand il y a du grog, il y a des Uruks. Quand j'en aurai fini, plus aucun Uruk ne respirera. Tu as ma parole. Donc comme je disais en fait, elle ne me faisait pas confiance parce que depuis plusieurs semaines, voire même des mois, pendant beaucoup de temps en fait, j'ai poursuivi Irgon pour le chasser et le châtier. T'as fini de me coller toi? Le chariot, l'étincelle de notre révolte. Qu'est-ce que c'était? Levez la tête! Là-bas, il est où? Ah, il est en haut. Pourquoi il raconte par des dégâts? Allez, monte. On a battu une tarte. Voilà. C'est bon, les gars! Excellent, Talion. À présent, veillons à ce que nos hommes puissent pousser le chariot sans risque jusqu'au monument. Zubuk est devant nous. Tue-les tous pour que mes hommes puissent passer. Si tu as besoin d'aide, je serai là.
Non, c'est bon, laisse tomber, ça gêne toi. Et voilà. Et Argon, c'est fini. Les hommes vont protéger le chariot. Dégageons-leur le passage. Oui, j'avais raison. Voilà, Robert. Notre succès dépend de notre capacité à nettoyer l'avant-poste des Uruk. Mes hommes ne pourront pas se poster avant pour détruire le monument. Les rangs des Uruk s'éclaircissent maintenant que j'ai tué leur chef Rigel. Faut que je tue 17 gardes. Bon. Cette limace finira dans le mien. 2. La nouvelle route est presque terminée. Alors j'imagine qu'on aura bientôt. Ah, écrasez-le. Pourquoi il n'y a personne? Je me charge des Uruk. Occupez-vous du chariot d'explosifs. Les autres, on l'a occupé. Continuez d'avancer. Aucun Uruk ne vous fera de mal. Oh!
faut que je tue 3 archers et un tir dans la tête. J'en ai déjà fait 2 sans faire exprès. Hop, voilà. Bon ben je lui mets tranquille hein. Et voilà, c'est tout le monde. Oh, c'était beau. Tu as scellé leur sort. Mon peuple croit qu'il vient de retrouver la liberté. C'est ce que tu leur as dit? Les hommes ont besoin d'espoir. Je leur ai offert ce qu'ils demandaient. Tes hommes ont besoin de leur chef. Pour ces exilés, il semble que je sois moins un monstre mort que vivant. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On entame la fin de la partie 1. Donc le prochain, ce sera Capitaine Noir. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir le trophée, je vous conseille de ne laisser que Ratbag et de tuer les 4 autres chefs de guerre. Voilà, comme vous le voyez par ici. Voilà, c'est tout pour moi et à la prochaine.